Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ce magnifique modèle. Donc, c'est un sac que j'ai créé de A à Z pour vous. Donc, c'est un sac avec une seule anse, donc ce qui le rend super original. Vous pouvez lui mettre cette décoration ou pas, à vous de voir. Et vous pouvez également lui mettre un bouton clipseur en fait à l'intérieur pour pouvoir le fermer, comme vous voulez. Ensuite, donc pour le réaliser, moi j'ai utilisé deux pelotes de Trapixel. Donc vous choisissez lequel vous voulez. Rappelez-vous, vous avez plein de couleurs dans notre boutique. J'ai fait un point assez facile pour pas que ça gâche le Trapixel que vous allez choisir en fait. Parce que des fois, ça dépend quel motif, par exemple le point jasmin, on peut pas trop utiliser du Trapixel Fantasy. Mais là, oui. Donc deux pelotes pour faire ce sac. Ensuite, il vous faudra donc le crochet ergonomique numéro 8. Une aiguille Allen avec le gros trou, donc ça c'est très important pour passer le Trapixel. Des ciseaux et optionnellement ce petit cercle en bois que vous pouvez trouver également dans notre boutique pour lui faire cette décoration. Voilà, donc c'est tout ce qu'on aura besoin pour réaliser ce très joli sac. Sur ce, oui, on peut commencer. Ce très joli sac, je vais vous le faire cadeau, donc comme d'habitude, il vous suffit de faire une commande de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que je vais vous marquer juste ici. Et en fait, je tirerai au sort donc un ou une gagnante de toutes les commandes que j'aurai reçues. Donc peu importe le montant de votre commande ni les articles achetés, ça n'a rien à voir. Seulement, le numéro de commande, je les prendrai tous, je les mettrai dans un logiciel et la commande tirée au sort emportera ce joli sac à la maison. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir aux gagnants. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures, comme ça vous pourrez vous faire une petite idée sur les mesures du sac. Donc de largeur, il fait 36 cm de largeur. Ensuite, de hauteur, moi personnellement j'ai fait 24 cm. La anse que j'ai fait moi mesure, donc d'ici vraiment de la moitié en fait, jusqu'à là, 15 cm. Vous pouvez également la faire, donc une fois cousue 15 cm, sinon elle fait plus, hein. Mais vous pouvez la faire plus courte ou plus longue, à vous de voir également. Et puis c'est tout. On va commencer le sac en faisant une maille chaînette. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une fois qu'on a les 12 mailles, on fait une maille en l'air supplémentaire, juste pour lever l'ouvrage. Maintenant, on va compter depuis le crochet. Une et deux. Dans la deuxième maille ici, on va faire 3 mailles serrées. Donc une, deux, et au même endroit, on en fait une troisième. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 10 mailles serrées. Donc individuelles. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième qui va être notre dernière maille serrée individuelle. Une fois qu'on a ces 10 mailles serrées, on termine en faisant dans la dernière maille qu'il nous reste 3 mailles serrées dans la même maille. Donc une, deux et au même endroit une troisième. Maintenant, on termine le rang en faisant comme de l'autre côté, 10 mailles serrées individuelles. Donc en face des 10 mailles qu'on a individuelles, en face de chacune, on fait une maille serrée individuelle. Donc une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la dixième.
Une fois qu'on a les 10 mailles serrées de l'autre côté également, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire une maille coulée dans la première maille serrée des 3 qu'on avait fait au départ, vous vous rappelez. On pique dedans et on fait une maille coulée. Et là, nous avons terminé le premier rang du fond. Le deuxième rang du fond va venir lever une maille en l'air. Et on va venir faire dans la première maille serrée des 3 que l'on a, on vient piquer et on fait une augmentation. Donc l'augmentation va être composée de 3 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je fais ma deuxième. Et toujours au même endroit, une troisième. Maintenant, dans celle du centre, je fais une maille serrée individuelle. Et je termine en faisant dans la maille suivante, qui est la troisième de mes 3 que j'avais fait dans le rang précédent, ici de nouveau, 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Vous voyez ? Là, on a complètement terminé cette partie-là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nouveau 10 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 9 et la dixième. Après les 10 mailles serrées individuelles, on refait la même chose ici dans l'extrémité. J'atterris où il y a mes 3 mailles serrées. Vous voyez ? Dans la première des 3 ici, vous faites 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, 3. Dans la maille serrée du centre, donc la deuxième par-dessus, vous faites une maille serrée individuelle. Et dans la troisième maille serrée, vous faites une augmentation de nouveau. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, et la troisième. Vous voyez ? Maintenant, on va terminer le rang en faisant tout simplement 10 mailles serrées individuelles. Donc le fond, vous le tendez un petit peu comme ça, juste pour qu'il se détende un petit peu, vous voyez ? Et il va prendre la forme, vous voyez, tout seul, correct. Donc maintenant, vous terminez le rang, comme je vous disais, par 10 mailles serrées individuelles. Et surtout, ne serrez pas votre travail, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dixième qui est la dernière du rang. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous allez voir ceci. Si vous êtes débutante, vous allez croire que c'est une maille, c'est sûr. Ce n'est pas une maille, c'est simplement la maille coulée du rang précédent. Donc celle-ci, vous voyez, vous l'ignorez. Donc maintenant, on vient dans la première maille serrée de départ. Vous piquez et vous faites votre maille coulée. Vous voyez ? Là, on a terminé complètement le rang numéro 2 du fond du sac. Le troisième rang du fond, on va tout simplement faire une maille en l'air. Et on va commencer le rang en faisant une augmentation d'office. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. On commence en faisant la première, la deuxième et la troisième. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir tout simplement faire 5 mailles serrées individuelles. Donc on commence dans la première, une, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, ce que je fais, c'est dans la maille serrée suivante, vous voyez ici, je viens tout simplement faire une augmentation. Donc 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et au même endroit. Une troisième. Vous voyez ? Maintenant, on va faire 10 mailles serrées individuelles. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la dixième. Après avoir ceci, on va passer donc à l'angle. Donc l'angle, vous voyez, on a les trois mailles serrées dans la même maille ici. Dans la première, on fait une augmentation. Trois mailles serrées dans la même maille. Donc je vais piquer mieux. Donc vous faites une. Au même endroit, une deuxième. Et au même endroit, une troisième. Maintenant, rappelez-vous, on fait directement les cinq mailles serrées individuelles. Donc on commence avec la première des cinq. La deuxième, troisième, quatrième, et cinquième. Après les cinq mailles serrées individuelles, vous voyez dans la maille qui suit, c'est la dernière de l'augmentation ici, c'est la troisième des trois. Ici, vous faites de nouveau trois mailles serrées. Une, au même endroit, une deuxième, et au même endroit, une troisième. Vous voyez? Et maintenant, on va terminer le rang en faisant 10 mailles serrées individuelles. Donc, vous commencez dans toutes les mailles qui suivent, vous voyez? Une maille serrée individuelle, c'est 10 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire notre dixième. Une fois qu'on a terminé, on vient unir tout simplement à la première maille serrée, vous voyez, de départ. Vous piquez le crochet dedans et vous faites votre maille coulée. Quand on est à ce stade, ce qu'on va venir faire, c'est prendre nos ciseaux et on va venir couper. Vous voyez, tout simplement, vous coupez. Ce fil-là, vous allez venir tout simplement le tirer. Et ensuite, on va s'occuper donc de le cacher. Donc, maintenant, n'ayez pas peur, hein, c'est du strapixel, c'est super solide. Vous allez tirer un petit peu comme ça. Ici, les augmentations, vous prenez une augmentation dans la main de droite, une augmentation dans la main de gauche, et vous tirez un petit peu, vous voyez? Vous essayez d'aplatir tout ça. Ensuite, de toute façon, quoi qu'il arrive, en faisant le sac, ça ne va plus du tout bouger. Hein. Après, quand on commence à faire le haut, vous voyez? Donc ça, ça va être comme ça. Et on va travailler, vous voyez? Il reste plein. Donc, voilà. Maintenant, on est prête pour passer au motif. Avant de continuer, donc juste pour vous dire que le fond de mon sac fait 26,5, donc plutôt 27. Le point qu'on va faire, vous allez voir qu'il s'élargit un petit peu. Donc au total du sac, vous allez voir, on aura à peu près, je pense, dans les 30 cm. Voilà. Ce que je trouve une bonne taille pour un sac. 30, 31, on aura peut-être 30 surtout. Voilà. Donc ensuite, ce que je voulais vous expliquer, c'est que tous les trapixels, donc le trapixel, le trapillo en général, tous les trapillos du monde, c'est du matériel recyclé. C'est-à-dire que d'une pelote à l'autre, peut-être que vous avez un fil un petit peu plus fin ou beaucoup plus gros que le mien. Voilà, il y a de tout. Ça dépend aussi le matériel. Vous avez, donc, comme c'est recyclé, ça peut être fait en plein de matériaux. Coton, etc., etc. Donc, voilà mes mesures à moi. Donc, il se peut que vous, vous voyez, au lieu d'avoir, comme moi, donc 27 cm environ, voilà, 27 cm environ, vous, peut-être que vous avez 29, ou peut-être que vous avez 26. Ça ne change absolument pas le tutoriel. Voilà. Donc, de toute façon, si vous voulez un sac avec un fond plus large, par exemple, plus long, vous voyez, tout simplement ici, au lieu de faire 10 mailles serrées individuelles, vous allez en faire 12. Vous voyez? Donc, à la base, il faudrait monter 2 mailles chaînettes de plus.
Donc moi j'en ai monté 12, vous avez vu, plus une pour lever l'ouvrage. Vous, vous pouvez en monter 14, plus une pour lever l'ouvrage. Ici les angles restent identiques, c'est juste que quand moi je fais 10 mailles serrées, vous, vous savez que par exemple vous allez en faire 12, etc. On va venir maintenant se rattacher derrière. Donc moi que je vous explique, j'ai filmé la scène en fait. Je croyais avoir filmé, mais en fait l'appareil n'a pas filmé. Donc du coup j'avais fait le rang pour rien, j'ai défait. Mais regardez, donc du coup c'est pour ça que vous voyez les boucles un petit peu élargies. Donc je vous explique. Vous allez prendre votre fond, vous voyez, vous le tournez vers l'envers et non pas vers le bon côté. Vous allez de l'autre côté. Et en fait derrière les mailles, vous voyez, vous avez la chaînette. Et derrière, vous avez comme des petites boules. Vous allez vous accrocher dans une de ces boules. Donc moi, je vous conseille de vous accrocher sur le côté. Comme ça, les unions, on les verra moins. Donc vous venez vous accrocher dans une boule qui est derrière la maille chaînette. Vous voyez? Vous venez avec le trapixel, vous le ramenez. Et vous faites une maille en l'air. Cette maille en l'air, c'est juste pour prendre de l'auteur, vous voyez? Le petit morceau de trapixel, vous le gardez dans la main gauche, comme ça on va le cacher au fur et à mesure qu'on travaille. Donc ici, dans la première petite boule, vous venez faire une maille serrée. C'est la première du rang. Maintenant, ici, on a une autre petite boule. Vous venez piquer dans la petite boule. Vous venez récupérer votre trapixel, un jeté, et on termine la maille serrée. Je vais dans la petite boule suivante et je fais pareil, je passe mon crochet dans la petite boule, vous voyez. Je récupère mon fil, je la fais passer, maille serrée. Et ça, c'est ce que vous allez répéter tout le long du rang, vous voyez, une maille serrée dans chaque petite boule. Tout simplement. J'ai terminé le rang numéro 1 en entier, j'ai fait toutes mes mailles serrées. Maintenant, j'ai juste à unir en piquant dans la première maille serrée et en faisant ma maille coulée. Donc maintenant, le deuxième, on va commencer à faire le motif. Donc on commence en faisant une maille en l'air et on va venir prendre le brin arrière de la première maille. Vous voyez, vous piquez dans le brin arrière, donc il y a un brin arrière et un brin avant. Celui arrière, vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, on va dans la maille serrée suivante. Et là, on va piquer à la base de cette maille serrée. Donc, vous piquez à sa base, vous ramenez le fil, vous l'allongez et vous faites une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, je vais dans la maille serrée suivante. Ici, je prends le brin arrière et je fais une maille serrée normale. La maille serrée suivante, je viens à sa base. Donc là, je me suis trompée. À sa base et je fais ma maille serrée allongée. La maille serrée suivante, je prends le brin arrière et je fais ma maille serrée. La suivante, donc je vérifie. La suivante, pareil. Je viens à sa base et je fais ma maille serrée. La maille serrée suivante, le brin arrière. Et je fais ma maille serrée. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il faut alterner tout le long du rang. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant, on a juste à unir. Vous voyez, j'ai fini par une maille serrée allongée. J'unis à la première maille serrée, vous voyez, par une maille coulée. Et là, nous avons terminé le rang numéro 2. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, le rang numéro 3. On va faire l'inverse de ce qu'on voit. Donc on fait d'abord une maille en l'air pour monter. Et en fait ici, vous avez la maille serrée qu'on avait pris le brin arrière, vous voyez. Alors ici, vous allez piquer à la base, donc entre le petit trait qui s'est formé ici et la maille serrée, vous voyez. Vous piquez et vous faites une maille serrée allongée. Quand vous avez une maille serrée allongée, ça veut dire qu'il faut prendre le brin arrière. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, ce point. Maintenant, vous allez aller là, vous avez encore un petit trait, vous voyez, ça se voit clairement. Et vous voyez, c'est vraiment là où on a fait la maille serrée tout à l'heure. Donc exactement ici, je pique, je ramène le fil et je fais ma maille serrée allongée. Ici, j'ai une maille serrée allongée, donc
Je prends le bras arrière et je fais une maille serrée. Vous voyez? Et on va alterner ceci. Là, de nouveau, j'ai le petit trait, vous le voyez ici. À la base de la maille serrée, donc juste au-dessus du petit trait, vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée allongée. Ici, maille serrée en prenant le brin arrière. Et vous allez alterner ceci jusqu'à terminer tout votre rang. Vous voyez? J'ai terminé le rang, vous voyez, en contrariant tout ce que je voyais. Et maintenant, on unit. Donc là, en l'occurrence, j'ai terminé par une maille serrée en prenant le brin arrière. Donc maintenant, on unit à la première maille serrée de départ par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant est tout ce que vous allez faire. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que on commence toujours par une maille en l'air. Donc ça, c'est juste pour prendre de hauteur. Maintenant, on regarde ce qu'on a devant nous. Par exemple, ici, la première maille serrée que j'ai, c'est une maille allongée. Donc je sais que la première que je dois faire, c'est en prenant le brin arrière. Vous voyez, de la maille serrée, je fais une maille serrée normale. Maintenant, ici, j'ai une maille serrée normale. Donc je sais que je dois venir à sa base, juste avant le petit trait. Vous voyez, à sa base. Et faire une maille serrée allongée. Vous voyez? Maintenant ici j'ai une maille serrée allongée, ça veut dire que je dois faire en prenant le brin arrière une maille serrée normale. Et là de nouveau, je viens à la base de cette petite maille serrée juste avant le trait et je fais ma maille serrée allongée. Ici, maille serrée en prenant le brin arrière. Et je vais venir alterner ceci jusqu'à terminer mon rang et jusqu'à avoir la hauteur totale de mon sac. Vous voyez? Là c'est comme si on était en train de répéter le rang numéro 2. Voilà. Ensuite, vous faites le rang numéro 3, le rang numéro 2, le rang numéro 3, etc. jusqu'à avoir la longueur voulue. J'ai terminé de faire la hauteur totale que je souhaitais. Donc, voici le sac. Vous voyez, il a une jolie forme comme de panier. Et je vous montre de plus près le point. En fait, il est super, super joli. Maintenant, regardez, donc dedans, on peut mettre plein de choses. On peut y aller. Hein. Donc, maintenant, une fois que c'est bon, tout simplement avec le crochet, donc on s'est arrêté là avec une maille coulée. On tire le fil sans faire de maille en l'air, vous voyez? Et ce qu'on va venir faire, c'est cacher le fil à travers l'ouvrage. Vous voyez, vous essayez de faire la finition la plus jolie possible. Hein. Ensuite, vous allez continuer un bon morceau jusqu'à avoir terminé de tout cacher. Quand vous avez caché un bon morceau, vous voyez, de là à là, ce qu'on fait, c'est un petit nœud juste pour être sûr. Donc vous attrapez un petit morceau, vous faites un petit nœud juste pour être sûr qu'à la machine à laver, etc., il n'y ait pas d'accident. Une fois que vous avez fait votre tout petit nœud, donc là, il est juste ici, vous continuez à cacher là un bon morceau et après, on pourra couper. Ça sera terminé. Quand vous avez caché un bon morceau, vous voyez, là, à ce moment-là, on peut couper. Donc, vous allez venir là où on s'est arrêté et couper. Et là, vous voyez, cette partie-là est complètement terminée. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire cette partie-là. Regardez. Donc, déjà, je vais vous montrer à faire ceci. Je trouve que ça fait super joli. Ça fait penser un peu, vous savez, aux finitions dans les attrape-rêves. Moi, je trouve ça super joli. Donc, j'ai voulu faire ça, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Et ensuite, comme anse, je vais faire une anse principale, parce que je trouvais ça original. Je l'avais dans la tête depuis un bon moment. Vous voyez? Qu'ensuite, on va coudre sur les côtés du sac. Et comme ça, la manière de le porter, ce sera comme ça. Voilà. Donc, voici, on va apprendre maintenant ces deux parties. Donc, pour faire cette partie-là, comme je vous disais, on va se munir d'un anneau en bois et de morceaux de trapixel. Donc les morceaux, je vais vous dire à peu près hein, comment j'en ai coupé, mais franchement même, je crois que je les ai fait un peu trop longs. Mais approximativement dans les 40 cm, vous voyez, 40, 42, voilà, à peu près. Hein. Donc une fois qu'on a les morceaux, on les plie en deux. Une fois qu'on a plié ce morceau en deux, on prend notre anneau en bois, et on va venir passer la boucle à l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, on a juste à passer les doigts, récupérer les deux petits morceaux et les faire passer.
Une fois que vous avez fait ceci, vous tirez de toutes vos forces. Donc il faut vraiment que ça soit figé, figé, figé. Vous voyez, c'est trop dur ensuite de le défaire. Vous prenez un deuxième et vous répétez l'opération. Vous le pliez en deux. Une fois qu'on a plié en deux, on passe cette petite boucle par en dessous. Vous voyez, vous la faites sortir. Vous récupérez les deux petits fils et vous les faites passer à travers la boucle. Et vous tirez de toutes vos forces de nouveau. Quand vous tirez de toutes vos forces, vous les plaquez. Vous voyez les deux, vous faites comme ça avec vos doigts et vous les tirez ensemble. Vous voyez? Et on continue. On reprend un autre. Et au total, il en faut 6. Donc là, ça va être le troisième. On refait pareil. Donc ensuite, c'est très facile. Ça va très vite. Hein. Ça prend 2 minutes de faire ça. On reprend le quatrième, on fait pareil. Notre cinquième. Et le dernier, le sixième. Donc on le plie en deux. On le fait passer dedans. On fait passer ces deux petits morceaux par la boucle et on tire. On serre les 6 et donc voici cette partie-là terminée. Donc vous pouvez soit le mettre dans ce sens-là, soit comme ceci. Donc moi je vais le mettre de ce côté où il n'y a pas les petits nœuds. Regardez, je vais vous montrer. Petit nœud, pas petit nœud. Donc ce côté est le principal. Donc une fois que c'est bon, donc vous avez... voyez votre morceau de bois. Tout simplement, vous allez le plaquer vers en haut. Vous voyez, vous laissez un rang quand même, à peu près, au centre. Et vous allez couper par rapport là où vous voulez cailler les franges. Donc vous prenez et vous pouvez lui donner la forme comme pour les attrape-rêves. Donc vous lui donnez une jolie forme. Vous voyez, vous continuez en fait une espèce de V en fait. Du plus petit au plus grand. Et ensuite, au centre, on fera la même chose. Quand vous avez la forme que vous désirez, donc approximativement, hein, après vous pouvez toujours le recouper un petit peu dans le sac, c'est bon, on est prêt. Donc vous pouvez en faire un ou vous pouvez en faire deux. Moi, personnellement, je vais en mettre qu'un seul. Donc je vais le plaquer, vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vais laisser une maille serrée allongée, vous voyez, et je vais me baser en dessous. Et c'est là que je vais coudre donc mon anneau. Mais ça par la suite. D'abord, on va faire la anse. Donc là, nous avons appris à réaliser ceci. Maintenant, on passe à la anse. On va maintenant passer à la anse. Donc pour faire la anse, c'est très facile. Vous allez faire une chaînette, donc toujours avec le crochet numéro 8. Une chaînette de 24 mailles. Donc vous faites 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On en a fait 24 puisque en fait il y en a une pour lever l'ouvrage. Donc maintenant que vous avez fait votre chaînette, vous la tirez. Vous voyez, elle va se détendre. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on va faire tout simplement ceci. On compte depuis notre crochet 1 et 2. Dans la deuxième maille, on commence à travailler en maille serrée. Donc vous allez faire tout un rang en entier. Vous voyez ? En travaillant maille serrée individuelle dans chaque maille. Donc vous allez continuer comme ceci jusqu'à les avoir toutes. Dans chaque maille, vous faites tout simplement une maille serrée individuelle. Je vais dans la maille suivante, maille serrée individuelle. Comme ça jusqu'à avoir terminé votre rang. Et vous devez avoir 23 mailles serrées. J'ai terminé tout mon rang, comme vous pouvez voir. Donc une fois que vous terminez votre rang, tout simplement vous faites une maille en l'air, toujours à la fin des rangs.
et on va couper notre fil. Vous voyez, vous coupez un petit morceau juste pour avoir une petite marge pour pouvoir le cacher ensuite. Et vous tirez. En fait, à la fin de chaque rang, on va faire ceci. Sinon, le motif ne va pas coïncider. Ça ne va pas être pareil. Donc, on se rattache de nouveau à la base à droite. C'est ici qu'on va rattacher le fil. Donc, vous venez et vous vous rattachez à la première maille. Et dans la première maille, ici, on va prendre le brin arrière seulement. Vous voyez ? Vous introduisez le crochet sur le brin arrière de la maille, comme ceci. Et vous allez venir récupérer votre fil et faire une maille en l'air. Ce petit morceau de fil, vous le mettez dans la main gauche, on va le cacher en travaillant. Ça fera déjà un fil en moins à cacher. Maintenant, on va dans la maille serrée suivante et on va venir à sa base, vous voyez, en dessous elle. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée allongée. Maintenant, on va dans la maille serrée suivante, ici. Et on prend le brin arrière de la maille. Vous voyez ? Vous piquez dans le brin arrière et vous faites une maille serrée. Toujours en cachant le fil. Maintenant, dans la maille serrée suivante, vous venez à sa base de nouveau. Vous piquez, vous ramenez le fil et vous faites votre maille serrée allongée. Et ça, c'est ce qu'on va venir donc répéter jusqu'à terminer le rang. Donc vous alternez. Une en prenant le brin arrière. Vous voyez, de la maille, et une allongée. Donc vous venez à sa base, vous ramenez le fil, vous l'allongez et vous faites votre maille serrée. Donc ça, c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer. Ici, vous avez la dernière maille, vous voyez. Vous venez piquer à l'extérieur, c'est-à-dire dans le brin arrière. Vous faites votre dernière maille serrée. Une maille en l'air de nouveau et on coupe. Et vous tirez. Nous avons terminé le deuxième rang. Maintenant le troisième. On va venir inverser ce qu'on voit. Donc comme on a fait pour le sac en fait. Donc vous venez ici. Donc vous piquez dans le brin arrière de la maille. Donc ça c'est juste pour commencer. Hein. Vous faites une maille en l'air. Et maintenant la maille serrée de départ. Parce que la maille en l'air est juste pour prendre de l'auteur. La maille serrée de départ, vous la faites à la base de cette maille serrée. Donc vous descendez et à sa base, vous faites une maille serrée allongée. Là, on a entamé le rang. Maintenant ici, on a une maille serrée allongée. Donc, vous prenez le brin arrière et vous faites une maille serrée normale. Vous voyez, on contredit ce qu'on voit en fait. Donc ici, on a une maille serrée normale. On vient et on fait à sa base une maille serrée allongée. Ici, on a une maille serrée allongée, donc on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Et vous allez venir alterner et couper à chaque fois la fin du rang. Donc vous allez tout simplement répéter les deux derniers rangs que je viens de vous montrer. Et on se retrouve. Donc au total, regardez, vous le faites la largeur voulue. Donc moi ici, j'ai fait au total de largeur, ma anse fait 10 cm. Maintenant, vous pouvez faire plus, moins, etc. Voilà. Donc au total, regardez, de maille serrée allongée, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc une fois qu'on a tous les éléments, on va passer maintenant à l'assemblage. Maintenant, on va prendre la partie de la anse et on va venir la plier en deux. Vous voyez ? Cette anse... On va prendre le panier et on va regarder vraiment bien où est en fait la moitié du sac, vous voyez, pour qu'il reste parfait en fait une fois. Voilà. Une fois que c'est bon, j'ai pris du trapixel et j'ai fait un nœud au bout. Je l'ai passé avec une aiguille à laine avec le gros trou et je suis prête pour coudre. Donc cette partie-là, vous voyez, je vais la mettre à l'intérieur. Donc je vais la poser comme ceci, vous voyez. Et une fois que c'est bien positionné là où je veux, ce que je vais venir faire, c'est commencer à coudre. Donc il faut vraiment qu'elle reste bien droite. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles ou enfin vous aider avec autre chose, une aiguille à tricoter que vous allez passer pour pouvoir fixer ce morceau-là. À vous de voir. Donc une fois que c'est bon, je vais commencer à coudre. Donc il faut vraiment que ça soit bien au milieu. Donc une fois que c'est bon,
je viens m'accrocher à l'intérieur du sac, vous voyez, pour pouvoir y caler mon nœud. Ceci, après, on va le cacher. On va refaire un nœud et le cacher. Donc, une fois que c'est bon, on va venir accrocher un morceau de la hanse. Et de nouveau, je prends un morceau du sac. Et ensuite, je reprends un morceau de la hanse. Et je vais faire ça jusqu'à ce que ces morceaux-là soient bien accrochés l'un avec l'autre. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours, hein, il n'y a aucun problème. Donc, tout ce qui est couture, comme d'habitude, vous prenez votre temps. Ça ne sert à rien de se dépêcher et après d'avoir un résultat bâclé. Donc, vous faites quelques points. Et ensuite, vous regardez fur et à mesure. Vous voyez ? De nouveau, un petit morceau de la hanse, un petit morceau du sac. Et on continue ainsi. Une fois que vous avez fixé tout le long, vous voyez, vous allez faire un nœud. Donc vous vous accrochez dans un petit morceau du sac. Et vous faites un nœud. Vous serrez bien le nœud, vous voyez. Et maintenant, tout simplement, on va passer à travers quelques mailles pour pouvoir le cacher. Donc petit à petit, hein, c'est pas comme dans un ouvrage en laine ou en coton. Petit à petit, et vous cachez vos fils. Une fois que vous avez caché votre morceau de fil, vous prenez vos ciseaux et vous allez venir couper. Vous voyez ? Vous détendez un petit peu et on ne voit plus du tout le fil. Celui-ci, donc c'est celui de la base. Il y a déjà un nœud en fait. Mais on va en refaire un autre, juste pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc vous faites un tout petit nœud. Ce nœud-là, vous allez venir le cacher. Donc tout ça, vous allez cacher en fait dans l'ouvrage exactement comme on a fait pour l'autre côté. J'ai terminé de coudre donc ce côté-là. Maintenant, je refais la même chose de l'autre côté. Donc je plie ma hanse en deux et vraiment en face. Vous devez serrer votre sac comme ça. Vraiment là, on va être sûr certaine en fait que notre sac est bien droit. Donc vous allez le fermer et vous allez regarder bien qu'il soit cousu vraiment en face. Une fois que c'est bon, vous commencez à coudre. Donc de la même façon que je vous ai montré. Par contre, une chose très importante, c'est qu'ensuite, quand ça sera terminé, qu'on aura fini de coudre, on va venir donner quelques points à l'extérieur aussi, de façon qu'il n'y ait pas ce décalage. Je voulais vous montrer, donc à ce moment-là, quand j'ai fini par dedans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recousu par derrière. Ça veut dire que j'ai enfoncé mon aiguille avec le nœud par dedans. Et ensuite, je passe par là, vous voyez, regardez. Je pique derrière et je pique devant en même temps. Mais d'une façon que ça n'abîme pas du tout le motif. Il ne faut vraiment pas que ça se voie. Je vais un petit peu plus loin, j'attrape de nouveau la hanse et je ressors. Ensuite, je vais un petit peu plus loin. Vous voyez ? Et je repasse vers l'extérieur. Vous détendez bien l'ouvrage fur et à mesure parce que sinon ça va se déformer. Maintenant je vais un tout petit peu plus loin et je vais terminer donc ma couture. Je re-rentre par dedans. Vous voyez ? Et je ressors une dernière fois par ici. Et pour finir, on va faire en sorte de rester vers l'intérieur, donc de se placer vers l'intérieur. Comme ça, je pourrais faire un nœud, pas le faire à l'extérieur, vous voyez.
je remets tout bien et je passe vers l'intérieur où je vais faire un nœud. Comme ceci. Maintenant, j'ai juste à cacher mon fil. Donc, vous allez le cacher un bon moment. Donc là, pour vous montrer, vu que la forme de la anse, c'est légèrement impossible. Donc, en fait, je fais rien de particulier, je cache juste mes fils. J'ai complètement terminé de coudre la anse, donc voilà ce que vous devez obtenir à ce moment-là. Donc, à partir de là, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est prendre ce qu'on avait tout à l'heure fabriqué, vous voyez, et le coudre. Donc, en plein centre, vous voyez, là, j'ai la anse. Donc, en plein centre, c'est ici que je vais venir le coudre. Donc, pour le coudre, je vais vous montrer. Vous prenez un petit morceau de trapixel, vous le placez toujours dans l'aiguille à laine avec le gros trou. Et vous allez voir, c'est vraiment minime les points qu'on va faire. Donc là, je regarde bien en face de moi parce que je veux que ça soit parfait. Vous choisissez un des deux côtés. Donc vraiment le côté, peu importe. Et vous allez le placer vraiment au milieu. Une fois que c'est bon, vous le maintenez très très bien avec les doigts. Et ce morceau-là, vous allez venir piquer de l'intérieur, passer en dessous l'anneau, tirer pas jusqu'au bout puisqu'on n'a pas fait de nœud, et toujours en maintenant bien l'anneau au milieu, faire 2-3 allers-retours. Il faut vraiment très très peu de points, ne vous inquiétez pas. Donc 1... Je vais juste à côté et je vais faire en sorte de ressortir juste à côté. Vous voyez? Je ressors à côté et je viens faire un deuxième point ici au même endroit et ressortir vers l'intérieur. Une fois qu'on est ressorti vers l'intérieur, vous lâchez, vous prenez les deux morceaux qui sont à l'intérieur. Donc comme je vous disais, je ne peux pas trop bien vous montrer. Par contre, vous les sentez, hein, ils sont quand même, ils sont pareils que moi à l'intérieur, les vôtres. Donc une fois que c'est bon, je remets bien, je m'assure bien que tout est parfait. On va faire un petit nœud. Ensuite, ce nœud-là, il faut juste cacher, tout simplement. Maintenant, pour terminer le sac, si vous avez envie, vous mettez un bouton clipseur. Donc tout ça, vous le trouvez dans notre boutique. Vous cousez ici un bouton et là, de l'autre côté, voyez, vous les cousez et clipse à chaque fois. Comme ça, il n'y a rien qui sort. Voilà. Si c'est pour un sac à ouvrage, par exemple, laissez-le comme ça, hein, ça va très bien. Donc voilà, évidemment, là, vous ne pouvez pas bien le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des photos pour que vous l'appréciez bien en réalité. Donc voilà ce qu'on a réalisé aujourd'hui, j'espère que ce modèle vous aura plu. Vous avez vu, le point est très facile, fantasy, et du coup ça fait vraiment super joli avec le trapixel. C'est un point en fait, comme il est simple, ben, vous pouvez utiliser le trapixel que vous voulez. Voilà. Donc voici ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui, j'espère que vous l'aurez trouvé très original. Donc moi personnellement j'adore cette forme de sac, je le trouve vraiment super joli. Donc voilà, moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Et bien sûr, j'attends vos retours sur la page Facebook. Bisous !